Alors aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de la cuisine. C'est un élément assez essentiel dès lors qu'on veut être un petit peu autonome en voyage. Cet épisode sera divisé en plusieurs chapitres. On va parler tout d'abord du mobilier et de l'intégration de chacun des éléments techniques qui composent cette cuisine. Et après, je vais parler naturellement des canalisations. Alors pour les novices, ça peut paraître un peu complexe, mais en réalité, c'est assez simple. Il y a évidemment certaines règles à respecter, mais en soi, l'approche est relativement simple. Voilà, il y a beaucoup de travail. C'est parti. Salut, moi c'est Seb. Je suis architecte, passionné de voitures, de voyages et d'aventures. Pour rassembler tout ça, j'ai fait appel à Georges, Georges le C15. Un utilitaire sauvé de la casse que je transformerai en van pour parcourir la surface du globe, de long en large. Mais avant ça, abonnez-vous et écrivons ensemble l'histoire de Georges le C15. On est pas mal, hein. On se croirait presque comme dans un salon. Hein, c'est tout pareil, hein. Bon, alors tout d'abord, de quoi on a besoin? Je vais noter tout ça là-dedans. Alors sur le plateau de cuisine, je vais avoir évidemment une vasque encastrable, préférablement en inox. J'ai trouvé celle-ci pour 85 francs dans un magasin de camping-car spécialisé. Alors elle m'a coûté ce prix-là, parce qu'elle était dans un magasin de camping-car spécialisé. Pour ceux qui ont envie de faire des économies, je vous recommande d'aller regarder ma vidéo qui s'appelle Pimp My Van, dans laquelle je fais quasiment la même chose avec une gamelle pour chien. Franchement, la différence, elle est quasiment nulle. Avec cette vasque, j'aurais besoin d'un petit robinet à pompe. Alors j'ai trouvé ce modèle-là sur internet qui m'a coûté à peu près 35 francs. Je le trouve vraiment bien, notamment parce que sa forme correspond parfaitement à l'architecture globale de l'ensemble du C15. Son fonctionnement est très simple. Et on peut le dire, il a vraiment une bonne gueule. Et évidemment, si j'ai un robinet, j'aurais besoin de deux bidons. Un pour les eaux claires, un pour les eaux grises. Ceux-ci font 19 litres de contenance et ils m'ont coûté à peu près 20 francs l'unité. Ça fait à peu près 40 balles pour les deux. Évidemment, avec tout ça, je vais avoir besoin de tuyauterie. Je fais la différenciation entre le tuyau des eaux claires et le tuyau des eaux grises. Là, il faut compter à peu près 5 balles pour le tuyau, donc c'est vraiment pas grand chose, surtout que j'ai pris à chaque fois 1,5 m linéaire de tuyau. Dans le C15, j'ai besoin de à peine quelques centimètres. Pour le tuyau des eaux grises, j'aurais besoin d'un siphon anti-odeur. Alors j'ai trouvé ce petit modèle qui est très beau. C'est un siphon qui est très compact et qui me permet évidemment de gagner beaucoup de place sous la vasque et sous le plateau de cuisine. C'est un siphon qui a dû me coûter à peu près une vingtaine de francs, toujours dans ce magasin de camping-car spécialisé. Après, pour la cuisine, évidemment, on a besoin d'une gazinière. Alors, bon, j'apprends rien à personne. J'ai trouvé ce camping gaz de luxe. Il m'a coûté à peu près une cinquantaine de francs et il est rechargeable avec les bonbonnes camping gaz. Et ce que j'ai voulu absolument rajouter dans le C15 ici, c'est un petit frigo. Alors, c'est un petit frigo d'appoint qui est alimenté en 12 volts. C'est ce modèle, le Fresh Colino Plus de Trisa, qui est une marque suisse, qui a une contenance d'à peu près 17 litres et qui vraiment permet de réduire la température extérieure, en tout cas dans son compartiment, d'une vingtaine de degrés. Donc, c'est parfait pour maintenir des éléments au frais sans vraiment les réfrigérer. Donc, moi, je vais surtout mettre voilà, du jambon, peut-être des produits laitiers, du fromage. Je le ferai surtout tourner pendant la journée, mais évidemment pour la nuit je vais l'éteindre parce qu'il génère aussi un petit peu de bruit. Et ça pour le sommeil, ben c'est pas ouf. C'est un petit frigo qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin d'électronique pour à peu près une centaine de francs, donc je le recommande parce que ben, il a de la gueule et surtout il est assorti avec la carrosserie du C15 et ça pour moi c'est hyper important. Donc voilà, là j'en ai pour un total d'à peu près 330 francs suisses qui fait un peu moins de 300 euros. Franchement je m'en tire bien pour tous les équipements que j'ai. Bon bah ben, allons voir comment ça se monte ? Tout d'abord, on construit les montants qui serviront de structure à la cuisine. Ici, j'enferme le passage d'eau.
Je présente le plateau de cuisine qui va de part et d'autre de la boîte. Cette merde. Lorsque j'utilise des machines de découpe, je travaille systématiquement sur l'envers du panneau afin de ne pas abîmer la surface visible. J'ai trouvé sur internet ce petit robinet à pompe qui marche assez bien, qui est assez simple. Au moins, il n'y a pas besoin d'électricité. Et puis, bon, il a de la gueule, hein. Il est stylé. Il est chromé, évidemment assorti à mon petit lavabal chromé également. Bref, non, franchement, ça va être bien. On va poser tout ça là. Ça va être propre. La stick cloche s'avère assez pratique dès lors qu'il faut faire des trous de moyenne dimension. Découpe de la vase, j'utilise une lame spéciale pour les découpes sinueuses. Afin de percer proprement la vase, je pointe tout d'abord afin de percer la tôle. Puisqu'il s'agit d'un évier, j'utilise ici une visserie inox. Pour ce qui est de la paroi de la cuisine, je vais essayer de faire un plateau qui se développe comme ça, histoire de faire une surface de travail supplémentaire. Je vais également essayer d'intégrer cet élément. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, non. Bon, alors on va essayer de le mettre là de façon à ce qu'il soit intégré à la composition du meuble de cuisine. 67, 66 plutôt. Là, si tu divises en 3, c'est quoi, 22? Et du coup, ça fait combien? 32, ouais, c'est quasiment la moitié en fait. Ah, ça fait chier. Je pense que les proportions seront pas ouf. Bon, let's get to work. En positionnant chacun des éléments à son emplacement prévu, j'essaye de dessiner une façade aux proportions harmonieuses. A l'aide de la scie pendulaire, je réalise une défonce sur la partie invisible du plateau de cuisine. Voilà, j'ai le choix entre cette charnière longue qui est pas mal mais qui sera nécessairement visible. J'ai le choix entre ces petites charnières qui seront cachées derrière, et là je devrais faire un joint négatif, et ces charnières un peu plus complexes mais qui me permettent peut-être de résoudre tous mes problèmes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je commence tout d'abord par l'installation des petites charnières. L'objectif étant d'avoir une table amovible affleurée au plateau de cuisine. Ah, c'est pas ouf hein. Ça c'est beau, ça c'est pas beau. Enfin, ça va, mais bon.
Puisque le résultat ne me satisfait pas, j'écarte cette solution. Il se peut que la charnière longue me permette un résultat plus élégant. Les vis fournies avec la charnière étant assez longues, je dois les raccourcir avec une meule à disque. Chaque emplacement de vis, je dois pré-percer le multipli. Ah. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est peut-être pas plat, mais c'est pas mal. Ça mérite d'être beau. Encore un peu à raboter là-bas dessous. Hein. Ça fait pas clac-clac. Puis ici. Ouais. Effectivement. Il va falloir que je fasse un trou comme ça. Sinon, sinon ça c'est pas mal. Hein. Encore réfléchir un peu à ça. Le one wheel. Puis après les placards du bas. Enfin bref. Encore un peu de travail. Ouais, bah non, c'est pas dans le bon sens. Hop, nickel. Alors ça, ça va là. Cette petite découpe dans la table movable me permet de découvrir le frigo. Ok. Pas mal. Une fois que les mesures ont été prélevées, je me lance dans la réalisation des rangements au-dessus du passage de roue. Entre le passage de roue lui-même et le plaquage en bois, leur forme est assez complexe. J'utilise la méthode d'assemblage par imbrication. Cela me permet d'éviter l'installation d'équerres pour chacun des plateaux. Bon ben, c'est rentré tout seul, par habitude. Je fais au moins deux allers-retours, alors du coup j'ai pas filmé le premier passage, mais là, ça a l'air de jouer. Je vais pas le ressortir. Là, j'ai de la chance, parce que j'ai pu m'apercevoir que dans ce compartiment, je peux ranger 6 bouteilles d'eau, et ça, c'est vraiment top. Ça passe au poil, et ça fait plaisir. Là-bas derrière, il y aura sûrement de la place pour les conserves, et ici, toutes sortes de choses pour, les pâtes, le riz, tout ce merdier. On a un bel espace de rangement. Et puis ici et là, là les chaussures, le one wheel évidemment. Et puis ici sûrement des affaires pour l'extérieur, c'est-à-dire des gants, des bonnets, genre des trucs dont on a besoin assez rapidement. Impec. Pour les panneaux de cuisine, j'utilise des charnières à déportement pour recouvrement de la structure. Nickel.
Ces charnières étant assez complexes, elles permettent de faire des réglages assez fins pour le développement du panneau. Quoi qu'il en soit, cela nécessite toujours de faire des allers-retours à la raboteuse. Alors, faut que je fasse les petits trous. Ça ferme bien. This is good. Pour les poignées, j'utilise un foret de 25 mm de diamètre. C'est beau, hein? Youpi! C'est pas mal, hein? Bon. Donc pour cette cuisine, j'avais deux principaux objectifs. Le premier, c'était d'avoir un grand plateau de cuisine ici qui va de part et d'autre des deux parois pour avoir des belles surfaces de travail. Et le deuxième, c'était d'avoir le maximum de parois qui permettent de cacher les équipements qui sont à l'intérieur. Donc une fois qu'on est assis, on a simplement à tirer le plateau et il se met immédiatement dans cette position grâce à cette petite équerre. Et là, on a une très belle surface pour manger et travailler. C'est pratique. Alors concernant le système d'alimentation en eau, pour y accéder, c'est un peu la guerre. Faut se tordre dans tous les sens. Mais c'est tout ici, avec ici le jerrycan de 19 litres d'eau propre qui est relié à la pompe avec ce tuyau qui descend grâce à un trou dans le bouchon directement au fond du jerrycan. J'ai fait un trou dans le bouchon de diamètre exact du tuyau pour éviter à ce qu'il y ait des éclaboussures lorsque le C15 se coupe beaucoup trop. Pour faire la vidange du jerrycan, on a seulement besoin de desserrer le collier ici, retirer le tuyau et après on peut retirer le jerrycan facilement. Je vais enlever ça là, parce que là je m'en sors plus. Ok. D'accord. Alors concernant le système d'évacuation d'eau, c'est un peu plus complexe. Là on a le jerrycan de 19 litres d'eau grise. Ici la vasque, qui sont reliées grâce à ce tuyau d'évacuation qui traverse ici le petit siphon en applique murale et qui rejoint de l'autre côté le jerrycan grâce notamment à ce bouchon spécifique qui me permet d'accueillir un tuyau spirale. Alors lorsque le jerrycan d'eau grise se remplit, il y a nécessairement de l'air qui doit s'en échapper. Donc pour ça, il a fallu faire un trou dans le jerrycan et pour éviter que cet air vicié s'échappe dans l'habitacle, il a fallu faire... Alors bon, pour ça, il faut que j'enlève le frigo. Alors, allez, viens là, toi. Alors... Donc, il a fallu faire un trou à cet endroit-là. Il y a une petite buse de laquelle part ce tuyau. Alors, ce petit tuyau transparent remonte au-dessus du niveau du siphon, passe la paroi ici à travers un trou, descend ici le long, tac tac tac, et vient s'échapper ici dans le plancher en bois. Alors pour permettre à ce que ce tuyau s'échappe à l'extérieur de l'habitacle, il a fallu faire un trou dans le plancher du C15 pour y faire sortir ce petit tuyau d'évacuation afin que l'air vicié s'échappe évidemment à l'extérieur de l'habitacle et non pas à l'intérieur. Parce que je le rappelle, l'air qui est contenu dans ce bidon, il pue la mort et du coup c'est mieux que ça s'échappe à l'extérieur. Voilà, alors l'épisode de la cuisine est terminé. C'est un épisode qui était relativement long parce qu'il y avait énormément de choses à présenter. C'est seulement grâce à tout ça qu'on a ce genre de choses qui marchent aussi bien. Nickel. Voilà, donc j'essaierai de vous parler le plus rapidement possible de la suite du travail qui va concerner en grande partie les travaux liés à l'électricité. Ce sera sûrement dans plusieurs semaines parce que je vais avoir beaucoup de travail à côté et aussi l'électricité, c'est un domaine que je maîtrise pas très bien. Donc il faut que j'apprenne énormément de choses. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode le plus rapidement possible. Ciao.